Et voilà une nouvelle vidéo, et là c'est juste avec un big plaisir parce que c'est une nouvelle vidéo mais à la montagne, mon terrain de jeu préféré, celui qui m'apporte le plus aussi bien au niveau du cœur que de la tête et des jambes. Donc aujourd'hui on est à Valmorel, donc dans les Alpes, et on va aller dévorer les kilomètres du Mad Trail. Il paraît qu'il est super joli, il paraît qu'il est très aérien, et rien qu'à voir le profil du parcours, je vous le mets quelque part par là, bah, ça va piquer dur hein. Sur ce trail, on est mis aux couleurs de la montagne dès le début, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 3-4 km de plat pour se chauffer. C'est que, eh ben, en gros, on fait 800 mètres et au bout de 800 mètres, eh ben, on grimpe déjà là-haut. Donc ça va être cool. On attaque direct par un gros pétard. Allez, je vous emmène avec moi, je vais aller toucher mon étoile. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, donc aujourd'hui on atteint 42 km et 2800 mètres de dénivelé positif. Et alors le kiff sur ce trail, c'est qu'il y a un maximum de 300 dossards sur le 42 bornes. Et là aujourd'hui, apparemment, on est un peu plus de 200, donc c'est quand même plus sympa que les grosses courses où il y a un max de trailers. Et si vous regardez ma vidéo de la maxi race, enfin de la marathon race à Annecy, où tu te retrouves là-haut et que tu es bloqué pendant une heure par un passage un peu compliqué et une accumulation de trailers, mais je pense qu'aujourd'hui on a peut-être une chance de ne pas vivre ça. Départ dans une minute. Altitudonesque. On est à 5 km. Les chemins sont bien sympas. On a toujours Adri avec nous. Et on a toujours Nadège avec nous. On est bien. On n'a pas eu personne. Et on a les vaches avec nous. Oh bah tu fais quoi là? Moi j'aurais bien fait un câlin vache. J'ai envie de chanter la chanson. Et que ça continue encore et encore. Et de grimper. D'accord. C'est que le début. Et c'est que le début. D'accord. Ouais d'accord. Oh putain. Ah ok. Bon. Ça avance en tout cas. Ça avance. On vole. Wouhou! Waouh! Du coup, on monte tout là-haut, là. Là-haut. Et on passe l'autre côté. Je sais que c'est dur de se rendre compte à GoPro. Mais. Et pique bien. Et on vient de là-bas quoi. Moi c'est ce que j'adore en montagne. C'est vrai que ça arrive un peu tout ça. Rien qu'avec ses jambes. Et quand t'es là-haut, tu te retournes. Et waouh. Ça mérite la croix là-haut. Putain! Hey! Allez, on se retrouve tous ensemble! Oh là là! Bravo à tous! On va te
Ça c'était une belle tempête. Putain, je l'ai mis ça c'était froid. Wesh ouais, vas-y, montre-moi. Vous êtes sur le 32 ou peut-être sur le 42? Sur le 42, ouais. Bon, le monsieur va nous montrer où on va du coup. Après tu vas hop, col de la Madeleine, c'est là-bas. Ok, tu vois, c'est le gros comme voilà. Et vous ouais, allez après le logis des fées, c'est là. Voilà. Et après vous allez revenir par tout ici. Là. Donc tu vois, là, là. Non mais on fait tout ça là. Ouais, ouais. Voilà. Donc okay. Après tu vas aller à la Lozière, c'est en face. Putain, on traverse tout en face là. Donc quand tu vas être là-bas au logis des fées, tu regarderas là et tu la verras. Ah, mais on a juste l'impression qu'il y a 100 km en face. Ouais, mais c'est une impression, tu sais. En fait, c'est plus près que ce qu'on pense. Bon, bref, il a dit, t'as vu, on va là, tout. Et on verra la croix d'en face, tout. Et après, on arrive. Bon, et là-bas, il y a le Mont Blanc. Le Mont Blanc. C'est magnifique. Waouh. Bon, il y a une espèce d'euphorie là qui nous a pris maintenant. Bref, faut descendre. Quand je disais au départ qu'il paraissait aérien. Bon, je pense qu'on est là dans le aérien. Et la crête, mais derrière, combien de connaît de bornes de descente là? 7 bornes de descente. Là, faut avouer que faire vraiment un pic comme ça, le changement de rythme, bah, faut l'avaler quoi. Et la montagne, ça vous gagne! Wouh! Et donc, sur ce trail de 42 bornes, il y a une seule et unique barrière horaire intermédiaire qui est à 15 bornes avec 1100 des plus et donc 2 des moins. Et on est. La barrière est à 3h15 de course. On se disait que c'était quand même chaud patate notre histoire, qu'il fallait pas qu'on traîne. Et en fait, et ben on est à 2h43 de course et c'est là quoi! Moi, je suis fière de nous. J'avoue, là, je suis fière de nous. Un petit coup de blanc avec le sauce. Non. Oui, c'est ça. Des bénévoles trop choupis et adorables. Qui resserrent les gourdes des coureurs. Ouais. Allez. Bon, du coup, on passait qu'on était hyper large avec la barrière horaire au 15e. Sauf qu'au final, elle était au 17e, au 17e et pas au 15e. Donc 2 km, c'est 2 km quoi. Et on pensait genre on avait une demi-heure d'avance sur la barrière, sauf qu'au final, on en avait 10. Bon bah c'est reparti. En tout, c'est les copines d'Alien GPS qui viennent te faire un coucou, c'est trop choupi. Deuxième ravito passé, barrière horaire aussi. Et maintenant, la seule barrière, c'est qu'il faut qu'on le finisse en 10 heures. Et là, on attaque la montée de l'autre côté. Et en fait, ce qui est juste magnifique, c'est qu'on vient de là-haut, là. Je sais pas si on voit la... Ça m'étonnerait qu'à la GoPro, on voit la croix. Mais on vient de tout là-haut. Et on est redescendu. Voilà. Et là-bas, il y a le Mont Blanc. On a quasi 4 heures de course. Ce qui veut dire qu'il est 10 heures du mat. Là, le soleil, il est là. Et oh, c'est tout ce prix. Hein. Une bonne claquette chaude dans la tête. J'adore la montagne.
pied du deuxième grand pic que vous avez vu sur le profil. Et de court, c'est que je vous remets là. Donc là, je sais pas si vous vous rendez, là, je sais pas si vous vous rendrez compte, mais ah, bah tout là-haut quoi. Allez. Dans cette côte interminable. Bon alors là, l'ascension de ouf quoi. Waouh. Mais c'est trop beau. Je me sens libre, libre, libre. Bon, faut toujours te rappeler que quand tu souffres comme un dingue dans une putain de côte, ben après t'as toujours en montagne une récompense. Et là, j'avoue que c'est une récompense. Mais de dingue. De dingue de ouf. Regarde-moi ça quoi. Là. Non mais c'est. Merci. Moi je vous en prie. Récompense de dingue. On s'est fait une descente. Voilà. Petite maison dans la prairie. En hurlant, c'était bien sympa. Bon, du coup, là il reste, je ne sais pas trop combien, parce qu'au final, apparemment, il fait 44 ce marathon, 44 km. Donc, il reste 7-8 bornes, je pense. Que je suis bien contente de m'être foutu sur le 42 et pas le 60. Vas-y, il fait chaud. Hein, c'est vrai. Il fait trop chaud. Bon bah en fait c'est carrément nul. J'ai tout oublié de filmer. Donc on avait un 42 à faire. On en est à quasiment 46. Et là il y a l'arrivée. Je crois que la dernière fois que j'ai filmé c'était genre il y a 15 bornes. Je suis désolée. Mais ça a envoyé du lourd sur la fin de la course. J'ai vécu des trucs complètement invraisemblables. Genre servir de locomotive pour plein de wagons mecs là qui s'accrochaient à mon cul pour monter une côte. Ils étaient tous des mecs, ils ont mis la fille devant pour crocher tout le monde quoi. C'était rigolo, ça a duré longtemps et ça fait mal. Bon allez du coup, on va aller kiffer cette arrivée là. Ah, c'est là l'arrivée là. Oh là là, j'en ai marre. Allez, où c'est putain d'arriver? J'en ai ras le bol. Mais on monte dans la grande tour là. Ah, c'est joli! C'est dur, mais c'est beau. Merci, merci. Bravo, merci. Super, t'as fini! Oui, bah oui! Merci beaucoup! Et oui, j'ai fini! Thank you.
du coup, voilà. Le trail, il est fait. Donc, le marathon de normalement 42 bornes, on fait 47. Donc, quand tu pars pour 42 et que tu en as 5 de plus à faire, à la fin, c'est un peu compliqué de s'enquiller ça. Mais bon, c'est pas très... Voilà, on est venu pour kiffer. Du coup, ils nous ont donné la possibilité de kiffer encore plus. On va pas se plaindre. Après, le parcours. Et ouais, ce parcours, pour moi, c'est juste... Il n'y a pas d'autre mot que... Waouh ! Un parcours dingue. Et pour en avoir parlé avec pas mal de trailers sur le parcours ou après, c'est un des 42 qui est vraiment très, très costaud. Et on s'attendait pas un peu à, on s'attendait pas à ça avant de venir. Mais ouais, quand tu passes d'une montagne à l'autre sur seulement 42 bornes et qu'à chaque fois t'atteins les crêtes, c'est... Donc il y a 2008 de dénivelé. Et en fait c'est incessant quoi. Les montées sont dingues, les descentes sont longues aussi. Et puis voilà, non mais par contre il est merveilleux quoi, les points de vue de ouf que t'as. Moi perso j'ai adoré. L'ambiance est géniale, les ravitaux de dingue. Moi qui kiffe le fromage, il y avait de la tonne, de l'abondance, il y avait du tout ça. Et l'arrivée qui se fait en plein centre de Valmorel, je trouve ça super choupi moi. Bref, j'ai kiffé le mat trail. Mais j'ai kiffé. Bon, bah, à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.